tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis vraiment trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé et j'avais vraiment trop hâte parce qu'on a beaucoup de choses à se dire et j'ai pas mal de cousettes à vous montrer. De choses dans ma vie ces derniers temps et c'est pour ça que vous n'avez pas eu de bilan couture plus tôt, parce que en fait j'ai pas énormément cousu et j'ai pas pu faire de vidéos trop complexes entre guillemets, ou même un bilan couture. En fait mes affaires cousues étaient en carton vu que j'ai déménagé. C'est pour ça qu'on se retrouve dans un nouveau décor. Je pense que le décor sera celui-ci tout le temps maintenant. Vous serez face à mon atelier couture. Bon, là il y a mon mannequin vu que c'est le bilan couture, mais il y a les machines derrière et tout ça. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, j'ai trop de choses à vous raconter. Franchement, ça faisait longtemps et je suis trop contente de vous retrouver. Pour commencer, ce que je porte mon pull Ida de la Maison Victor. Que j'ai hacké pour en faire un sweat à fermeture éclair, un petit peu comme le Didi de chez Fibromood. Si ça vous intéresse, j'ai fait un tuto, donc vous l'aurez dans la barre d'infos. Donc comme je vous disais, j'ai déménagé et j'ai aussi adopté un petit chien que vous verrez peut-être pendant la vidéo. Je sais pas si elle va faire une apparition, mais d'habitude elle nous suit partout. Là elle est dans le salon allongée en train de dormir, alors j'ai pas envie de la déranger. Mais si elle fait une apparition, de toute façon, vous verrez, elle est vraiment trop belle. C'est un petit berger australien et je suis amoureuse. Elle est trop mignonne. D'ailleurs, dans mes cousettes, il y aura un petit truc pour elle. Je vous montrerai. Je pouvais pas vous le montrer comme ça parce que c'est son panier en fait. Donc je l'ai laissé là-bas. J'ai pas vraiment envie de tout déranger. Je vais lui laisser son petit espace, mais je vous mettrai des photos et des vidéos. Sinon, je profite aussi de ce bilan couture pour vous parler d'un petit truc. Promis, c'est rapide et après on passe à mes cousettes. Si vous me suivez, vous avez dû avoir l'info. Mais comme en ce moment, mes vidéos font à peine 400 vues, vous n'êtes sûrement pas tous au courant. Et si vous êtes nouveau, déjà n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Ça me ferait très plaisir si jamais mon contenu vous plaît. Et vous aurez normalement une vidéo toutes les semaines de couture. Mais j'ai ouvert ma boutique en ligne de mercerie et de tissus. En fait, c'est en gros, c'est votre brocante couture en ligne. Je chine des choses de seconde main, tout est de seconde main parce que moi, je suis vraiment pour la seconde main. Et bon, ben voilà. En plus, la première cousette que j'ai à vous présenter, c'est le bon exemple vu que ça, je l'ai acheté de seconde main. Mais je chine pour vous des tissus, des boutons. Là, j'ai reçu tellement de boutons, des magnifiques boutons. Je vous mettrai des petites photos à l'écran au montage. Mais franchement, je peux... En fait, de base, je voulais vous faire une vidéo parce que je vous ai déjà fait une vidéo haul de ce que j'ai chiné pour vous. Du coup, la boutique s'appelle Second Button. Je vous mettrai tout en barre d'infos, du coup, si ça vous intéresse. Et si vous voulez voir les arrivages en avant-première, je mets tout sur Instagram. J'ai un Instagram dédié parce que je vous avais fait une vidéo haul et ça vous avait pas mal plu et vous avez été des quelques-uns à passer commande. Et en fait, il y en a, vous m'avez dit, mais en fait, tout est déjà en rupture après la vidéo ou même avant la vidéo, parce qu'en fait, avant que je poste la vidéo, j'avais déjà tout mis sur Instagram et ceux qui me suivent sur Instagram, du coup, avaient vu des trucs en avant-première, quoi. Enfin bref, si ça vous intéresse, je vous mets tout en barre d'infos, petite boutique de seconde main, des petits prix et voilà, de la couture raisonnée et à petit prix, quoi dire de mieux. Bon, comme vous avez vu, j'en ai profité pour faire ma petite pub. Mais comme les bilans couture font en général un petit peu plus de vues, je vous partage un petit peu ma petite boutique. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas vraiment à aller jeter un œil. Tout sera dans la barre d'infos et franchement, j'essaye vraiment de vous chiner des pépites. Alors si vous aimez les boutons, les tissus, etc., franchement, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Pour ce qui est de ma première cousette, donc c'est, comme vous pouvez le voir, un pull avec un col montant. C'est un pull ample, c'est le pull Andy de chez Comatia Pattern. Je regarde parce que j'ai un peu quelques infos sur la tablette. C'est un pull qui est disponible du XS au XL et qui est vraiment pour les débutants, franchement.
Moi, je l'avais acheté lors d'une vente à 2 euros chez Mécuriste. Et franchement, j'adore ce patron. Vous verrez que j'ai fait une deuxième version juste après. Moi, je l'avais fait imprimer chez Patterns for You parce que j'avais fait une commande et du coup, je l'avais mis dedans. Comme c'est plus facile. Mais franchement, je suis très contente de ce pull. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un pull tout simple. En fait, vous avez un devant. En fait, le devant et le dos, c'est la même pièce. Et vous avez du coup le col montant et les manches. Donc vraiment, il n'y a rien de plus simple si vous débutez. Franchement, je l'ai cousu en une demi-heure. Hein. Vraiment, c'est en plus avec une surjeteuse. Vraiment, ça va super vite. Et il fait vraiment son effet. Enfin là, c'est un basique parce que du coup, le tissu, c'est une couverture. Enfin, c'est un plaid microfibre que j'avais acheté au bric-à-brac de Vez pour 3 euros, 2 euros, je sais plus. Mais je l'avais vraiment pas acheté cher. Et par contre, j'ai eu pile poil. Vraiment, il fallait pas 10 cm de plus. Vraiment, c'était vraiment pile poil pour ce pull. Donc ça, je suis vraiment ravie. Hop, je vais vous montrer le dos. Donc c'est pareil. Hein. On a les manches. En fait, c'est des manches un peu tombantes. Je ne sais pas si vous allez voir, mais en gros, le patron du dos et du devant vont jusqu'ici. Et après, vous avez la manche. Mais comme c'est foncé, en fait, je pense que vous ne voyez pas très bien. Mais je ne sais pas quelle couleur vous voyez, mais c'est bleu marine, en gros. C'est marine foncé. Moi, je l'ai fait en S, soit S, soit XS. Je ne sais plus. Je pense. Ou, non, je crois que je l'ai fait en S. En fait, je suis en train de me demander si je ne l'ai pas fait en M pour que ce soit un peu large. Mais il me semble que je l'ai fait en S. Honnêtement, je ne me rappelle plus. Après, je vais pas trop m'attarder sur cette cousette parce que bah, y a rien de plus simple quoi. En fait, je vais pas vous parler 20 minutes d'un dos, d'un devant et d'un col montant. Donc voilà, franchement, rien de particulier. J'ai fait tout à la surjeteuse. En plus, j'ai du bleu marine parce que pour l'histoire, je croyais quand je les ai achetés que mes cônes de surjeteuse étaient noirs, mais en fait, ils étaient bleu marine. Donc en fait, voilà, là c'est vraiment à l'intérieur, ça se voit pas du tout parce que c'est surjeté en bleu marine. Donc voilà, c'est nickel, je l'aime beaucoup, je l'ai pas mal porté. Là il recommence à faire beau donc forcément je le mets moins, mais franchement je l'adore. Je vous l'avais dit, il y a une deuxième version. C'est bah, pareil, franchement, toujours aussi simple. Hein. Celui-ci, par contre, j'ai eu la flemme, donc il est aussi surjeté en noir. J'aurais pu faire l'effort de le faire en blanc, mais en fait, l'intérieur du tissu est un peu plus foncé, vous voyez. Donc en fait, si j'avais surjeté en blanc, ça aurait été quand même contrastant. Donc je me suis dit, bon, voilà. J'avais un peu la flemme de changer les fils, on va pas se mentir. Même si. Depuis 2024, je fais des progrès et j'essaye vraiment quand c'est important de changer. Mais bon, après, j'ai que des couleurs basiques, genre noir, blanc et rouge. Oui, parce que pour moi, le rouge, c'est vraiment une couleur basique. J'adore le rouge. Je pense que ça se voit et là, il y a un petit peu de rouge aussi, comme vous pouvez le constater. Mais voilà, donc pour cette deuxième version, c'est un tissu que j'ai acheté chez Toretto Tessuti. Ils avaient fait une vente un moment avec des coupons en fait qui étaient à des prix réduits du coup. Et ce coupon-là, je l'avais acheté 5 euros. Donc franchement, je suis très contente. C'est un peu un tissage blanc et rouge avec du lurex argenté. Du coup, franchement, je trouve ça magnifique. Et en fait, je pensais pas du tout que c'était un tissu maille au début. Et enfin, dans un sens, il n'est pas du tout extensible, mais dans ce sens-là, il l'est beaucoup. Du coup, bah, quand je l'ai vu, quand je l'ai reçu, je me suis dit, mais en fait, je vais me faire un pull dedans, ça va être trop beau. Et je me suis rappelée de, justement de ce pull-là, et je me suis dit, en fait, c'est exactement ça que je veux. Donc voilà. Lui, j'avoue que je l'ai un peu moins porté. Après, je l'ai quand même porté 2 fois, il me semble.
Je l'ai porté une fois quand je suis sortie avec ma tante et une autre fois, je sais plus. Mais en fait, disons qu'il fait un peu plus habillé comme il y a du lurex et tout ça. Bon, après, le seul truc, c'est que le lurex, je sais pas si vous voyez, oui, vous voyez le fil là. Voilà, le lurex se barre en fait et c'est très chiant. Donc, bon. Hop là. On voit la fille qui vient de déménager, il y a du carton sur. Enfin, du scotch sur mon coupe-fil. Bref. Donc, ouais, je pense que vous voyez que tous les petits fils de lurex sont en train de se barrer en fait. Mais bon, mis à part ça, franchement, je l'adore. Et je serais. En plus, celui-ci, parce que autant celui d'avant, comme c'était un plaid, en fait, il est vraiment super chaud. Et celui-ci est un petit peu plus léger, que c'est pas un tissu rembourré moumoute ou quoi. Vraiment, c'est. Voilà. Donc, c'est un peu plus léger, donc c'est sympa. Lui, je peux le mettre vraiment pour la mi-saison. Et voilà, je voulais vous montrer en fait, ouais, vous voyez tous les petits fils de lurex en fait qui bougent. Donc voilà, c'est juste un peu dommage, mais bon, pour un coupon à 5 euros, franchement, je lui en tiens pas trop rigueur. Oh, j'adore, elle est trop mignonne. Je disais, je lui en tiens pas rigueur, et franchement, je l'aime bien ce petit pull, et je pense que je vais bien le porter à la mi-saison. Je vais vous montrer cette cousette avant les autres, même si elle a été cousue après, parce que ensuite on va faire tous les pantalons. En fait, je me dis que les pantalons, je les ferai tous d'un coup, même s'il y a deux patrons différents. Et comme ça, là, je peux vous montrer sur le mannequin, parce que les pantalons, je pourrais pas. Bon, alors vous, comme vous la voyez, vous pensez qu'elle est finie, peut-être, mais je vous assure qu'elle n'est pas du tout finie. Le bas n'est pas fait ni rien, parce qu'en fait, c'est une toile. Le tissu, bon voilà, c'est pas un magnifique tissu, c'est un tissu que j'avais acheté en vide-grenier, un lot pour 1 euro, donc voilà, c'est un tissu qui m'a quasiment rien coûté, et j'ai voulu faire une toile pour faire une chemise à mon chéri, parce que je veux lui faire des petites chemises pour cet été, sauf que le patron, c'est le patron de la chemise érable de chez Enjoy Couture, et en fait, j'avais trop hâte de lui faire cette chemise et en plus de base j'avais un peu peur parce que c'est un patron que j'ai aussi acheté pendant une vente à 2 euros de Makerist. Et le patron, je me suis rendu compte après que j'avais acheté de la taille 44 à 50. Attendez, je dois l'avoir sur la tablette. De la taille 44 à 62. Ok? Et ouais. Après, j'avoue que j'ai pas pris les mesures du coup, parce que je me suis dit 44, pour moi c'est censé être super grand. En fait, mon chéri, il fait du 38-40. Je me suis dit 44, c'est bien, ça va être oversize et tout. J'avais même peur que ce soit un peu grand, c'est pour ça que j'ai fait une toile. Le 44, c'est ma taille. Ça vous va? Est-ce que c'est bon pour vous? C'est ma taille. Quand je l'ai faite, je me suis dit, mais bizarre, parce que ça a quand même vachement l'air d'être ma taille. Je lui ai fait essayer, c'est trop petit. Et moi, comme je suis débile, parce que du coup, je l'ai fait imprimer chez Patterns for You. Et comme c'était censé être du 44, je me suis dit que oui, c'est pas bien, j'avais la flemme et que j'allais découper. Plutôt que de décalquer, vu que en fait, dans tous les cas, j'allais pas devoir faire plus petit parce que c'est censé être du 44 et dans tous les cas, c'est plus grand que sa taille. Bah, j'aurais dû décalquer en fait parce que maintenant, je sais pas, j'ai envie de lui faire des chemises, mais en plus, le patron est trop bien, franchement, il est bien expliqué. Je le trouve super simple, genre, j'ai vraiment. En fait, il n'y a pas de colle, enfin, il n'y a pas de pied de colle, c'est un colle directement, mais c'est vraiment un montage super simple, quoi, donc c'était trop bien. J'ai adoré le patron en soi, mais voilà, quoi, c'est trop petit. Donc je sais pas. Du coup, je me suis même pas embêtée à faire les boutonnières ni rien. En bas, c'est pas fini.
Voilà, je sais pas. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalqué une version pour moi en plus long pour faire une robe chemise. Là, c'est bah, là j'ai les projets que je vais faire juste après. Et bah, lui, il est déjà découpé et tout. Avant de déménager, j'ai découpé mon tissu pour me faire une robe chemise. Vu que c'est ma taille, j'en ai profité. Mais ouais, va falloir que j'essaye d'agrandir le patron moi-même en suivant les lignes de couture. Je pense que je devrais me débrouiller, hein, honnêtement, mais ça m'embête un petit peu, quoi. Mais franchement, du coup, sinon, à part le fait que ce soit pas la bonne taille, j'ai vraiment pas eu de difficultés particulières. Et je trouvais le patron très sympa. Parce qu'il est franchement, il est pratique, il est facile. Et même moi, j'ai bien envie de me faire des chemises, quoi. Mais en fait, même pour moi, là, c'est ma taille, mais cintrée, en fait. Et moi, j'aime bien porter, quand je porte des chemises, j'aime bien que ce soit un peu oversize et tout, donc surtout en été. Donc c'est pareil, en fait, je vais me faire la même taille que lui, à peu près. Mais du coup, bon, on verra. Mais affaire à suivre, en tout cas. Pour la petite anecdote, pour la chemise, quand je l'ai donnée à mon chéri pour qu'il l'essaye, il m'a regardé, il m'a dit, mais c'est moche. J'étais là, mais c'est... C'est fait exprès, c'est une toile, c'est pas un tissu, c'est pas une chemise pour que tu la portes, celle-là. Il était là, ah oui, parce que là c'est vraiment pas beau et tout. J'étais là, oui, je sais. Mais en fait, au début, ça se voyait, il osait trop rien dire parce qu'il trouvait ça pas beau, mais il voulait pas me vexer. J'étais là, non, mais c'est fait exprès, t'inquiète pas, je sais que tu porteras jamais ça de ta vie. C'est juste pour essayer la taille. Avant de passer au pantalon, je vais vous parler vite fait du panier de Raja qui est toujours en train de dormir en plein milieu du salon. En gros, ce que j'ai fait, c'est que on voulait pas, enfin, on nous a dit à l'animalerie de pas lui acheter un gros panier. En fait, tous les paniers pour chien ça coûte super cher et il y avait des très jolis paniers mais qui coûtaient genre 100 euros et quelques. Et on nous a dit en fait, vous allez l'adopter, mais ça se trouve, elle va détruire, enfin, vous savez, genre. Manger son panier et tout, parce qu'il y a plus des chiens qui font ça. Bon, nous, il s'avère qu'elle est adorable, qu'elle est toute mignonne et tout, et qu'elle fait pas ça du tout, mais bon, on savait jamais. Et dépenser 150 euros dans un panier pour qu'elle le détruise en une semaine, c'était pas la meilleure des idées. Donc, on nous a dit, prenez des plaids ou des couvertures ou des trucs comme ça, bon, dans un premier temps, quoi. Donc, Gaëlle, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Bah, je vais lui coudre une couverture en fait. J'ai plein de chutes de molleton. Ben voilà. L'exemple typique, en fait, hein, c'est un molleton de chez De Fabrique Baron. Et là, c'est le rouge. Et j'ai utilisé du coup les chutes de ça en plus. Et j'ai utilisé les chutes de ça et de bleu. J'avais fait un pull dans le molleton bleu que je vous avais présenté en bilan couture. Mais du coup, j'ai aussi utilisé le pull pour faire la couverture parce qu'en fait, le pull, je le mettais pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du patchwork. En fait, j'ai fait des petits carrés que j'ai assemblés. Pour faire un grand rectangle et que j'ai doublé parce que je voulais que ce soit un peu plus épais, un peu plus moelleux pour elle. Et j'ai pris aussi des chutes de orange pour faire une petite pâte que j'ai. En gros, j'ai découpé mes petits ronds pour faire ma pâte et je l'ai cousu par-dessus pour que ça fasse le petit motif. J'adore, je trouve ça trop mignon. Du coup, vous verrez, je vous montrerai une petite vidéo après, comme à chaque fois je vous montre la vidéo portée. Là, ce sera juste la vidéo du petit panier. Il y a des petites photos où elle est dedans. Franchement, je trouve ça trop mignon et je suis vraiment contente de lui avoir fait ça. Et pour finir, on va passer du coup au pantalon. J'ai réalisé trois pantalons et j'ai surtout réalisé ma première braguette et je suis vraiment trop contente parce que ça s'est super bien passé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le patron du pantalon d'Annie de chez Pasta Couture. C'est un patron que j'avais acheté lors d'une vente à Mécuriste, mais vraiment il y a super longtemps. Et bah, comme j'avais envie de me coudre des pantalons, c'était dans mes projets, mes résolutions pour cette année.
Et bah du coup là j'en ai cousu et j'ai fait deux pantalons d'amis. C'est un patron de pantalon avec en fait normalement c'est un peu en pantalon cargo. Moi je l'ai fait sans les passants et sans la poche soufflée. Mais j'ai fait les poches italiennes, la braguette et voilà, j'ai fait un pantalon classique quoi. Il est disponible de la taille 32 à 48 et moi je l'ai cousu en taille 32. Et les deux versions ont été réalisées dans des tissus de seconde main. La première version est celle-ci, c'est un pantalon orange et que j'adore, mais qu'il faut que je reprenne. Je m'en suis aperçue en le sortant de la machine. Voilà, si je le mets, on voit mes fesses en fait. Je l'ai mis plusieurs fois, mais du coup, il faut que je le reprenne parce que ma couture de derrière a lâché. Donc, pour ce pantalon d'Annie. Comme vous pouvez, bon après vous verrez mieux dans les vidéos portées, hein. Mais voilà, j'ai fait une petite braguette. Et franchement, je vous conseille vraiment ce patron parce que moi, c'était ma toute première braguette et c'est quelque chose qui me faisait peur. J'avais vraiment peur de faire une braguette, je savais pas comment ça allait se passer, etc. Et ça s'est franchement super bien passé. J'ai fait d'abord une pièce d'étude de braguette que j'ai réussi. Enfin, il y a un endroit où j'ai bloqué, mais du coup, vous m'avez aidé sur Instagram, et même la créatrice de la marque m'a aidé. Donc, j'ai réussi à trouver ce qui n'allait pas, et j'ai réussi à faire ma braguette. Pour ce qui est de la fermeture, c'est des fermetures pour les deux pantalons que j'ai achetés d'occasion chez Emmaüs. Mais voilà le résultat. Alors, le seul problème, c'est que déjà, la braguette est blanche, du coup, voilà, ça se voit un petit peu. En fait, ça, elle s'ouvre un petit peu quand je marche. Vous voyez, ça fait un petit peu comme ça. Du coup, on voit un petit peu le blanc. Bon, ça me dérange un petit peu, mais ça m'empêche pas de le mettre parce que quand même, je l'aime bien. Et c'était aussi mes, enfin, c'était pas mes premières parce que mon tout premier patron que j'ai utilisé, qui était un patron vintage avec tout des blancs couture, j'avais fait des poches italiennes, mais j'avais pas du tout suivi. Enfin, j'avais rien compris parce que s'il y avait pas d'explication. Donc j'avais fait un peu à l'instinct et j'avais à moitié réussi, mais franchement là du coup j'ai fait mes premières vraies poches italiennes que j'ai doublées dans un drap de coton que j'avais de seconde main depuis très longtemps. Donc voilà, c'est un pantalon entièrement de seconde main du coup. Je l'ai fermé avec un petit bouton pression que j'ai un peu galéré à poser. Comme vous pouvez le voir, il s'est cassé en fait. Du coup, ouh, là c'est moi qui me casse la figure. Hop. Du coup, en fait, je galère un peu à le fermer, mais bon, ça va, je m'en sors quand même, hein, comme vous voyez, il se ferme. Mais voilà, franchement, je l'aime beaucoup. Le seul, bon, c'était ma première vraie braguette, et du coup, ça se voit un petit peu. En fait, j'ai l'impression que c'est le patron qui fait ça, en fait. C'est pour ça que j'ai envie d'essayer un nouveau patron. Maintenant que je sais faire 10 braguettes, enfin, en tout cas, j'en ai déjà fait une, enfin deux, mais un patron, quoi. Normalement, je maîtrise un petit peu, vraiment un tout petit peu, mais bon, j'ai déjà fait quoi. Donc, je devrais m'en sortir chez un autre patron, je vois pas pourquoi je m'en sortirais pas. Et en plus d'en avoir entendu parler dans la vidéo de Cap et Casse, j'avais imprimé avant ça le patron du pantalon de tuerie de la Maison Victor chez Patterns for You quand j'ai fait ma commande. Et bah, Capucine en parle dans leur bilan couture en disant qu'elle adore ce pantalon. Donc, je pense que je vais m'essayer à celui-là en prochain. Et on verra si la braguette est mieux faite et que ça se trouve, c'est juste moi qui fais mal. Hein. Mais sur ma deuxième version qui est mieux faite, ça se voit moins, mais ça s'ouvre quand même un petit peu. Donc, je sais pas, dites-moi si vous avez déjà eu ce problème, si vous avez déjà cousu Dani. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà cousu ce patron. Mais. Je sais pas, à voir. En tout cas, je l'aime quand même. Hein. C'est pas, genre, ça s'ouvre pas en grand non plus, mais c'est pas, je sais pas. Moi, ça me gêne un peu parce que j'ai envie que ce soit parfait, vous voyez. Mais bon, comme c'est mes premiers, franchement, je suis un peu indulgente et je les trouve quand même beaux. Lui, il part direct à ma machine pour se faire réparer le derrière, vu que je peux plus trop le porter pour l'instant. Du coup, de la deuxième version, hop,
La voici. Alors, elle, c'est complètement différent. C'est une braguette. Du coup, là, j'ai mis du bleu marine sur du bleu marine, comme ça, au moins, vous voyez, c'est parfait. C'est une braguette pareille que j'avais achetée chez Emmaüs, quelques centimes. Et j'ai posé des boutons pression, hop, mais genre des très gros boutons pression en métal comme ça. Ah! Pardon. Pour le refermer. Voilà. Ça, c'est des boutons. Oh, elle est trop belle, j'adore. C'est des boutons que j'ai posés grâce à ma pince prime que j'avais reçue de la part de Mercerie Snapply. Je vous en parle dans ma vidéo sur les idées de cadeaux à offrir. Pour ce qui est du tissu, c'est un tissu toujours de seconde main que j'avais acheté dans le vide-grenier, bah, le tissu que je vous ai montré pour la toile de la chemise. Pareil, moins d'un euro, donc incroyable. Et c'est un tissu normalement qui s'apparente à un tissu doublure. Ça s'entend, je pense d'ailleurs, j'espère que ça fait pas trop de bruit. Un tissu un peu doublure comme ça, bleu marine. Sauf que moi, je trouvais qu'il faisait pas si satiné que ça. Et que c'était pas tant un tissu doublure en fait. Hein. Franchement, moi je l'aime bien comme ça. Et je trouvais que ça faisait plus parachute pent que tissu doublure, vous voyez. Du coup, ouais, celui-là, je trouve qu'on dirait vraiment un parachute pent. Donc j'aime bien. Lui aussi, faut il faut qu'il parte en réparation parce que en fait, ici, là, ça se découd. Attendez. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Non, vous voyez pas trop. Mais là, en fait, l'attache entre la braguette et la ceinture, en fait, c'est là que ça se découd. Là, là. Je sais pas si vous voyez, en fait, ça me saoule. Mais bref, là, ça se découd. Donc, je vais essayer de le reprendre et de recoudre par là. Après, j'ai pensé aussi que j'ai plus de thermocollant et du coup, j'ai pas thermocollé mes braguettes. Est-ce que c'est à cause de ça que ça s'ouvre un petit peu? Parce que c'est possible que ce soit à cause de ça aussi. Hein. Sur le patron, en plus, ils disent de thermocoller. Donc, peut-être que c'est ma faute. Hein. Je ne dis pas que c'est la faute du patron. Ça se trouve, vous allez me dire en commentaire, mais bien sûr, Gaëlle, c'est à cause de ça. Il faut absolument thermocoller les braguettes. Voilà, c'est possible que vous me disiez ça en commentaire. Mais voilà, pour celui-ci. Pareil, les poches italiennes, cette fois c'est doublé dans le même tissu, c'est tout en bleu marine. Franchement, je l'aime bien. Non, je ne l'ai pas moins porté que l'autre en vrai, c'est faux. Je l'ai porté aussi, mais je sais pas, en fait j'ai un peu de mal. Après, peut-être que je l'ai fait un peu trop long aussi. J'ai l'impression que j'ai utilisé le bout du tissu en bas. Je sais pas. Mais en fait, je l'aime bien. J'aime bien le porter. Mais surtout, je ne sais pas trop avec quoi l'associer aussi. Je pense qu'en été, ce sera plus simple. Parce que là, avec des pulls et tout, j'aime pas trop le résultat en fait. Je pense que ce sera beaucoup plus sympa à porter avec des débardeurs et tout cet été. Mais franchement, je l'aime bien. Et je trouve vraiment qu'à l'intérieur et tout, comme en plus, c'est tout surjeté en bleu marine et tout. Et avec la fermeture bleu marine et tout, franchement je trouve qu'il fait hyper travaillé et qu'on dirait vraiment un vrai pantalon que j'ai acheté quoi. Et l'autre, l'intérieur, c'est un peu Bagdad, hein, on va pas se mentir, c'était mon premier et c'est un peu la cata à l'intérieur. Autant celui-là, franchement, même quand on le voit comme ça et tout, avec les poches italiennes, les petits boutons et tout, franchement, je l'aime beaucoup. Et ouais, je l'aime beaucoup. En plus, j'ai fait de la petite couture à la main là pour faire le. Je sais pas si on voit en fait. Parce que comme c'est bleu marine, c'est un peu relou, on voit pas super bien. Mais là, pour faire le. Vous savez, là, vous cousez jusqu'ici pour la braguette. Et après, faut coudre là pour faire la déco, quoi, de la braguette. Et du coup, j'ai fait une petite couture à la main. Mais voilà, j'en suis très contente. Et j'ai envie de m'en coudre d'autres. Mais j'ai envie d'abord d'essayer un autre patron avant de recoudre des Dany. Donc voilà. Si jamais vous avez la solution du coup ou l'explication que c'est ma faute à cause du thermocollant ou que c'est ce patron ou que en tout cas avec tel patron vous n'avez pas ce problème, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'ai besoin de vos avis. Thank you.
patron, c'est un. Enfin, pour le dernier, la dernière cousette, pardon. C'est un pantalon aussi fluide, mais lui complètement basique, que j'ai réalisé à partir du patron, je crois que c'est Émile, de la maison Victor. Et en gros, c'est un pantalon de pyjama normalement. Mais c'est en fait ma première version, je la porte là. Donc je sais pas si je vais pouvoir vous montrer où. Vous voyez, c'est un pantalon comme ça avec un lien. Et il y a des poches sur le côté sur cette version-là. Et voilà, c'est vraiment tout simple. Devant, dos et la ceinture, c'est juste replié en fait. Et vous passez le cordon et voilà. Donc c'est vraiment super simple comme, comme patron. Je vous ai fait ça en vlog avec vous. Si jamais ça vous intéresse, c'est ma dernière vidéo. Mais si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous le présente ici. Et en plus, dans le vlog, je ne vous ai pas montré le résultat porté. Comme ça, si vous vouliez voir, ça se passe ici. Pour ce qui est du tissu, c'est un tissu que j'ai acheté chez Toto avec Evelyne de Montpellier. Si tu passes par là, des gros bisous. Et on l'avait acheté ensemble et je l'avais trouvé dans les tissus au poids. Je ne l'avais vraiment pas payé super cher. Et je le trouve plutôt joli ce tissu. Il est fluide. Et en fait, quand je l'ai vu, j'ai pensé directement à ce pantalon et je ne pensais plus qu'à ça en fait. Je voulais absolument le faire. Mais je suis déçue du résultat en fait. Par rapport à ce que je voulais, je trouve ça vraiment beaucoup moins joli. Donc je sais pas, faut que je le réessaye là pour les vidéos portées et on verra ce que j'en pense. Mais ouais, je suis un petit peu déçue. En fait, ça rend juste pas aussi bien que ce que j'imaginais. Je l'ai peut-être fait un petit peu trop cintré ou je sais pas en fait si c'est à cause du tissu ou... Mais c'est moins beau que ce que j'imaginais. Et peut-être que je vais plus le porter en pyjama qu'en tissu, enfin qu'en pantalon fluide dehors quoi. Donc si vous voulez plus de renseignements sur la réalisation du pantalon, je vous laisse aller voir le vlog. Mais j'ai galéré pour les œillets et tout, vraiment ma pince, je comprenais rien comment on faisait pour mettre les œillets, j'avais l'impression qu'il me manquait des parties, enfin bref, compliqué. Mais voilà, je vais le réessayer, je vais vous montrer les résultats, mais je suis pas non plus giga fan de ce pantalon. Il me reste du tissu, donc je ferai un deuxième projet dedans, je pense. Je sais pas encore quoi, mais parce que là j'ai vraiment envie de coudre mes chutes là. Là j'en ai plein, en plus j'en ai fait le tri il n'y a pas super longtemps. Et cet été là, ça va faire de la cousette de chute et de mon stock de tissus, vous n'êtes pas prêts. Déjà il y aura pas. Enfin si, il y aura un haul de Fabrique Baron parce que j'ai passé une commande il y a super longtemps, genre il y a 3 mois. Mais je ne l'ai toujours pas reçu parce que comme il ferme, les délais sont super élevés. Mais à part ce haul là, et sinon ce sera des hauls mais pour Second Button. Ce ne sera pas des tissus pour moi, ok? Et je me laisse une ou deux exceptions où des fois je chine pour la boutique et je me dis ah je vais peut-être garder ce tissu mais franchement pour l'instant je l'ai pas fait. Enfin si je l'ai fait pour un tissu. Donc ça va, pour l'instant ça va. Donc voilà, je vous laisse avec le résultat porté et on conclut la vidéo. Couture touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu, que les pièces que je vous ai montrées vous ont plu et ont pu vous inspirer un petit peu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez cousu récemment, ça m'intéresse et ça peut me donner des idées aussi, même si là j'ai plein d'idées, comme j'ai pas cousu pendant longtemps à cause du déménagement, là j'ai envie de coudre plein de trucs, mais bon, avec ce petit truc qui vient d'arriver à la maison, j'ai un petit peu moins de temps. Ah, elle a remué les oreilles, elle a entendu que je parlais d'elle. Bon, j'ai plein d'idées de vidéos et plein d'idées de cousettes à faire. Donc voilà, j'espère que mes vidéos vous plaisent. Et si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aussi venir me suivre sur Second Button et aller regarder ce que je propose parce que vraiment je vous chine des tissus et des boutons vraiment magnifiques et à petit prix. Donc voilà,
J'espère que ça vous plaira. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!